Y'a ton mine esprit, mais allez-y dans l'esprit, on écoute ce son, puis je commence. Voilà, ça c'est togolais, hein. C'est son togolais. Hello, don't baby, c'est si t'as baby, ça au te baby. Hello, don't baby, hello, don't baby, titi, et n'y a ni seti. Et j'en avais ta boue en vie, à job et don't avais maman en vie. Je vous raconte ma vie, oh, mais c'est sûr. Et que boya le pas d'omelo, à que m'tolémé. M'tolémé, ma ou balodoua m'tolémé, de que m'vron en belagno. De que mi vron na belanyo Kumbo e fufonye avadjo Pati ogle mi dare San yo komo ma som biere ka Jifye ogme ule tufe wele kbom la San yo komo ma som biere ka Jifye ogme ule tufe wele kbom la Yeee Male male dosi, male sosi, male sosi Today my so sick, my so sick, my so sick, so sweet oh, so sweet oh, so sweet oh, so sweet oh. Ela chenami, ya me coque que pepero no tiene, maula suero que pepe menami, maula suero que pepe pepe. Ok, ok, les Ivoiriens, on est là, on va mettre les choses au clair et tout. Vous savez, souvent quand on dit Togolais n'aime pas Palabre ou bien Togolais, là, c'est comme vous confondez des trucs, quoi. Quelqu'un qui n'aime pas chercher querelle ou bien quelqu'un qui n'aime pas chercher Palabre ne veut pas dire que la personne ne s'est pas fait Palabre. Voilà.
il y a une chose, je vais vous éclaircir aujourd'hui. Je vais vous dire, vous savez, tout d'abord, sur les réseaux sociaux, la connexion au Togo, ça coûte cher. La connexion au Togo, ça coûte cher. Chez nous, là, tu achètes, comment l'appelle-t-on, méga. Chez vous, vous-même, vous appelez ça passe. Tu achètes ça à 1500, là. Tu fais direct, là. C'est le direct de 30 minutes, même, là. Passe, là, c'est fini. Vous comprenez un peu? Donc, les Ivoiriens qui viennent au Togo peuvent vous confirmer que passe au Togo là, méga connexion au Togo là, ça coûte cher. Ce qui fait que les Togolais n'aiment pas être sur les réseaux sociaux parce que ça va gaspiller leur agence. Donc c'est ça qui fait que Togolais n'aiment pas venir sur les réseaux sociaux parce que le Togolais, les passes coûtent cher et que n'aura pas même le temps de prendre son argent, l'acheter méga, venir faire Nyadoué. Chez nous, on dit Nyadoué, palabre. Bla bla bla, c'est ça. Sinon, insulte là, Togolais aussi connaît. Voilà, insulte là, Togolais aussi connaît. C'est rare les Togolais qui arrivent à acheter des passes, la connexion et rester venu suivre les vidéos et tout sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est à cause de ça quand vous voyez les vidéos togolais et tout là, vu là, ça donne pas. Parce que ça coûte cher. Tu achètes méga 5000, hein, je te dis. Tu rentres dans YouTube, tu fais direct Facebook, tu fais quelques commentaires, tu mets statut, fini. Donc, c'est ça qui est notre faiblesse d'être sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est à cause de ça, vous voyez comme si les Togolais ne font pas par la bouche, non pas la bouche pour parler. Nous aussi, on a la bouche. Quand votre soeur Aya a commencé, je l'ai dit qu'elle ne peut pas terminer. Elle croit que c'est je mens parce que dans leur tête, dans leur cerveau, là, c'est calé que Togolais ne fait pas par la bouche. Elle-même, elle a démissionné. Elle a vu, elle a démissionné. Elle-même, elle a vu, là, elle a démissionné en même temps. Parce que elle-même, elle va vous dire, hey, j'ai rencontré un Togolais là. Elle ne peut pas. Sinon, là, la bouche pour ouvrir insulter, là, nous aussi, on a. Deuxième point, je vous dis la faiblesse des Togolais. Faiblesse Togolais, là, je vais vous dire. Nous, on nous apprend depuis notre naissance là, on nous apprend à parler notre langue. Ouais. Si tu vois quelqu'un qui parle français bien là, c'est que la personne a été à l'école, soit la personne est née dans d'autres pays. Sinon au Togo, quand tu es né au Togo là, on t'apprend notre langue. Notre langue domine la langue française. Ouais. Donc c'est ça qui fait que les Togolais, la plupart des Togolais, ils ont la... à notre nord, 5 ans, c'est revenu.
Ça là, vous pouvez nous gagner. Parce que Togolais n'aime pas voir ça. Togolais n'aime pas la violence. C'est pour cela, depuis, vous voyez là, chez nous, il n'y a pas la guerre. Parce que Togolais n'aime pas. Voilà. Mais si c'est insulté là, ah, Togolais insulte. Ouais, Togolais insulte. Donc arrêtez de vous dire, arrêtez de penser que non, vous êtes au-dessus de nous en palabre. Et pour que Togolais ne peut pas faire clash, Togolais. Hey, nous aussi, on a la bouche, non? La bouche là, on en a. Ou bien, on a la bouche. Bon, je vais vous profiter pour dire encore, il y a une de nos soeurs là, elle veut vous contaminer des tâches en Côte d'Ivoire là-bas là. Je ne veux pas. Ok, je vais vous dire. Les Ivoiriens, je vous dis, si vous voulez une peau, hein, vous voulez une peau bien claire, bien choc. Parce que il y a une Togolaise. Moi, je vais vous sauver parce que la Togolaise là, elle fait semblant de vous aimer parce qu'elle veut vendre ses produits et tout. Parce qu'elle sait qu'au Togo ici, là, nous, dépigmentation, là, Togolais n'aime pas. Elle sait. Elle ne peut pas vendre ici. Elle sait que oh, nous, on n'aime pas. Donc, elle se dit que c'est les Ivoiriens qui aiment à dépigmer là, tout là. Donc, elle fait semblant d'être dans votre côté pour nous insulter, nous, les Togolais. Tu es plus. Les Ivoiriens peuvent acheter son produit. Hey, il y a une de nos soeurs là. Je vais vous dire, il y a une de nos soeurs là. Elle voulait faire. Elle voulait acheter un produit là. En se disant que c'est ma soeur, hein, c'est tante, hein, je dois utiliser ce produit. Regardez, je vais vous montrer comment le produit a déformé notre soeur. Je vais vous montrer. C'est pas bon. Donc là, si vous voulez bon produit là, bon produit pour vos peaux et tout là, c'est très simple. Lolo Beauté est près de vous là-bas. Contactez, consommez produits ivoiriens. Pardon, faut pas. La Togolaise qui vend là, je veux pas appeler son nom pour faire publicité pour elle-même. La Togolaise qui vend produits, elle dit pommade, tant là. N'achetez pas. Hey, regarde, quand sa soeur voulait l'aider là, quand sa soeur voulait l'aider, et ça sera essayé de faire chose, de utiliser son produit là. Regardez. Voilà, balle à terre. Regardez. Ouais. On est où là? On est où? Maria Mobile, quand vous insultez de partout, c'est de partout là. Attendez. Ivoirien, regardez. Regardez ses doigts. Regardez, vous regardez ses doigts là. N'essayez pas d'acheter ça. Elle voulait aider sa soeur pour ses produits. Attends, je vais faire pause là. Regardez, Tchacho. Chez nous, on appelle ça Akpengé. Akpengen ou Bemekou. Vous regardez, non? Donc, n'essayez pas d'acheter produit là que notre Togolaise essaie de faire publicité tant là. N'achetez pas. Ma soeur ivoirienne, je vous aime trop. Je vous adore. Voilà. Vous voyez, non? Voilà. Donc, n'essayez pas d'acheter ça. Parce que produit là, notre soeur là, je ne veux pas appeler son nom même pour faire. C'est une Togolaise. Elle se dit elle est où elle vend produit. Bon, pour avoir la peau propre, pour avoir. Attends, je vais vous montrer. Celle-là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Les Ivoiriens, pardon. Je vous adore trop. Elle veut venir là-bas pour
contaminé et tout là. N'acceptez pas. Si vous acceptez là, parce que c'est sa soeur voulait l'aider. Hein. C'est sa soeur, elle voulait l'aider, elle a essayé d'acheter ses produits. Voilà comment la main de la soeur est venue. C'est pas bon. Donc consommez le produit de chez vous. Pour ceux qui n'en ont pas, hein, contactez Lolo Beauté 00 25 47 46 44 79. Tous ceux qui sont à Abidjan et tout là, n'achetez pas produit de la soeur togolaise qui fait quoi et qui est en Amérique là-bas. Qui n'achète pas ça. C'est ça. Sa soeur même, vous voyez, sa soeur même veut l'aider, hein, en achetant ses produits. Dit, ah, oh, on est entre frères togolais là. Eh, c'est ça. Regardez comment la soeur est devenue. Tchatcho, couleur patchou. Ici vert, ici jaune. Mais il y a une togolaise qui. Peut-être la personne est venue aujourd'hui. Moi, Raoul Leblanc, allez-y demander tous les Togolais. On va vous dire. À l'heure là, c'est moi. À l'heure, je vous parle. C'est moi. Attends. C'est pour. Attends. Ne sois pas fatigué. Hein. On va le faire tout de suite. Parce qu'il y a des gens. C'est la pub elle veut, non? C'est la pub elle veut, non? On va faire ça pour elle. Voilà. Si vous voulez avoir une peau claire, jolie, chocomantée, clair cheveux, les médès, la propétition, pas. Contactez ceux qui sont en Europe. Contactez 0033 7 69 84 12 27. Voilà, contactez ces gens-là. Voilà, celle-là, voilà, celle-là. Voilà, des choses comme ça. C'est ceux-là, c'est eux qui utilisent produit Lolo Beauté. Voilà, voilà. Vous-même, vous voyez, non? Choconana, ça on appelle Choconini, ça on appelle Chocovori. Voilà, tu utilises produit de Lolo Beauté là. Dieu même va t'amener des endroits propres, chic. Chic. Ouais, vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est Lolo Beauté. Beauté, c'est produit Lolo Beauté ici. Voilà. En plus, Rabame. Voilà. Vous voyez, non? Voilà. Mais si vous voulez. Voilà, vous voyez. Voilà. Ça là, voilà. Ceux qui veulent avoir teint choco, teint propre, teint sorose, comme là. Voilà, on parle de beauté là. C'est ça, voilà. Tu vas avoir produit, voilà. C'est une Togolaise, hein. C'est une Togolaise, mais elle préfère utiliser produit Lolo Beauté parce que produit là, c'est bon. Voilà. Pour notre soeur là, elle ne veut pas parce que elle veut pas être comme une chose. Elle veut pas être comme
comment l'appelle-t-on? Celle dont je viens de passer là. Attends, mon frère finit là. Je vais vous montrer encore. Donc, il ne voit rien. Pardon. Pardon, n'achetez pas. Vous comprenez un peu? Pardon, n'achetez pas. N'achetez pas. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée, tout et tout. Maintenant, j'ai décidé de bloquer quelques-uns. Les gens comme coach, à Memelio, je serai obligé de le bloquer parce que je vais voir. Maintenant, on ne va plus faire des choses parce que maintenant, j'ai compris les Togolais. Les Togolais viennent chez toi et font des pam, 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 pam après là. Ah, je ne veux plus. Je vais voir. Je vais lire un peu les commentaires. Ce qui dégame de ce que je fais, ce qui fait ce truc là. Bloc, bloc, bloc. J'en ai bloqué beaucoup de personnes. Maintenant, on va continuer encore. Je ne veux plus des embêtements ici. Parce que vous aussi, vous en avez page Facebook, vous avez page Facebook, vous avez portable, vous avez tout. Vous pouvez faire vos directs et faire des trucs et parler de ce qui vous fait mal, ce qui vous aimez pas. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Voilà. Donc, voilà. On va y aller. Pra. Voilà. Donc, pour tous ceux qui... Ça, là, même, j'arrive pas à maîtriser, quoi. Je sais pas pourquoi. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir des peaux jolies, avoir des peaux propres, pas comme des peaux comme pour moi là. Parce que moi-même là, je sais que je suis vilain. Ah. Donc, c'est simple. Contactez 0033-769-84-12-27. Ouais. Soit 00-25-47-46-44-79. Voilà. Donc, nous tous, on va voir. On va voir qui est qui, alors. Donc, c'est le message que je voulais passer aux Ivoiriens, tout. Ne prenez pas comme si vous êtes au-dessus de nous dans l'insulte. Voilà. Insulte, là. Quand Dieu crée des gens, là. Quand Dieu, tu as la chance, tu as la bouche, là. Déjà, là. Pour insulter, là. Toi aussi, tu peux insulter. Voilà. Ces deux problèmes, je vous ai dit. Problème togolais. Voilà. Tout d'abord, les passes. Toute la nation ivoirienne crie. La Côte d'Ivoire a gagné, la Côte d'Ivoire a gagné. Alors que c'est 22 personnes seulement qui sont parties jouer. Dans 22 là même là, c'est 11 qui est sur le terrain. Mais quand la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire a gagné. C'est une seule personne qui fait boxe, non? Boxe. Quand Ivoirien va en concours de boxe et il gagne là,
La Côte d'Ivoire tout entier crie. Ah, Côte d'Ivoire a gagné, Côte d'Ivoire a gagné, Côte d'Ivoire. C'est comme ça. C'est comme ça quand 2, 3 Ivoiriens, 4, 5 Ivoiriens restent sur les réseaux sociaux, font une vidéo, font des commentaires, insultent une autre nation là. Quand moi je viens pour répondre là, je peux pas venir garder leur nom dans la tête. Hein, Kofi Ivoirien, Kwasuwa Ivoirien, Yoyo Ivoirienne, venir rencontrer. Ah non, je vais dire les Ivoiriens. Parce que quand ils vont, eux ils font des trucs qui honorent votre nom là. Même si c'est deux personnes là. La Côte d'Ivoire crie, ah, c'est ça les Ivoiriens, c'est ça les Ivoiriens, c'est ça les Ivoiriens. Arafat s'est créé lui-même seul. Ou bien, Arafat s'est créé lui-même seul. C'est lui-même seul qui s'est créé. Mais quand les sons mousse là, vous dites quoi? Ah, son Ivoirien, c'est comme ça. Quand un ou bien deux personnes, ou bien, non pas un, deux ou bien trois, quatre personnes qui vont chercher par là, ben, citer une autre nation là. Quand moi je vais venir répondre là, je ne vais pas dire, hé, hey, deux, ouais, moi j'aurai le temps d'aller lire leur nom, tout et tout et tout. Non, je vais dire Ivoirien. Parce que quand ça commence deux là, c'est déjà plusieurs. On met S à la fin de Ivoirien là. On met X. Quand ça devient deux déjà, on met X. Donc arrêtez de nous dire. On devait s'adresser à tant, on devait s'adresser à ceux qui ont fait vidéo, on devait non, on va pas s'adresser, on va dire Ivoirien. Parce que c'est pas une seule personne qui a fait des commentaires en insultant notre. Qui arrive à faire, c'est les Ivoiriens. C'est... Quand vous êtes venu faire vidéo, dit ouais, nous on a trop de stars. On avait Didier Drogba, c'est toute la nation, c'est toute personne qui est en Abidjan que vous avez cité. C'est quelques-uns, mais vous dites Ivoirien, non, ouais, c'est comme ça là, chez nous là, ce que moi mes parents m'ont appris là. Ce que moi, mes parents m'ont appris là. Quand vous êtes dans une maison et que deux ou bien trois personnes sont parties chercher par là, quelque part là, hein, les gens là, là où ils sont partis faire par là, les gens là, ils vont insulter. Chez nous, il y a maison, on dit maison, peut-être le nom de la famille, on dit, par exemple, si c'est la famille, c'est Kokou. Ceux-là, ils vont dire. Les enfants de Kokou, là, les Kokou, la maison de Kokou, là, ces gens-là, ils sont malades là-bas. La maison de Kokou ne fonctionne pas. La maison de Kokou, la maison. Uh-huh. Maintenant, les parents de Kokou, la maison où les enfants là, sont sortis, hein, maison de Kokou, là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est les parents qui sont là, dans la maison, là, c'est eux qui vont dire, c'est à cause de vous, on nous insulte. C'est à cause de vous, on nous insulte. Maintenant, les parents l'ont fait par là, bien, bien, bien avec leurs enfants. Parce que c'est leurs enfants qui sont partis chercher par là. Et on insulte maintenant toute une maison. Voilà. Maintenant, les parents qui sont dans la maison là, viennent là. Les parents grondent les enfants qui sont partis chercher par là. Parce que c'est à cause d'eux, on insulte la maison là maintenant. C'est comme ça, si les petits là sont partis faire un truc de bon là. Tout le quartier va dire, maison de Kokou là,
Oh, ils sont intelligents là-bas. Maison de Kokou là, ils sont riches là-bas. Mais c'est comme ça. Maintenant, c'est à vous de repeller ceux qui ont fait des commentaires pour insulter les Togolais. C'est à vous de repeller maintenant ceux qui ont fait des vidéos pour insulter les Togolais. Et les gronder que voilà, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, les Togolais insultent toute une nation. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça, en fait. L'éducation là, ça vient du Togo. On dit on éduque quelqu'un là. Nous, c'est notre faute là. C'est qu'on en est. Notre langue est dominée. Donc, pour parler français là, le Togolais a peur. Le Togolais a honte de venir casser français sur les réseaux sociaux pour que les gens se. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Donc, c'est à cause de ça que j'arrive à vous affronter. Jusqu'à vous-même démission. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est comme ça se fait. C'est comme ça se fait. Un Togolais qui se lève. Deux, ou bien cinq Togolais qui se lèvent. Insulte Ivoirien. Insulte Ivoirien. Insulte Ivoirien. Insulte Ivoirien. Si un Ivoirien veut se lever pour insulter là, peut pas venir commencer à citer les noms de. Il n'a pas ce temps. Ivoirien va dire, hé, hey, vous les Togolais là. Si toi-même tu te sens pas dedans là, tu te retires, tu dis hein, c'est lui qui est parti chercher. Soit nous on récupère nos frères qui est parti faire palabre avec l'Ivoirien, on le récupère, on dit hey, on l'insulte bien. Tu es normal, pourquoi tu es parti faire palabre là-bas? C'est à cause de toi les Ivoiriens nous insultent maintenant. C'est ça, c'est l'éducation là nous on a. Parce qu'on sait que si deux ou bien trois personnes qui va, qui fait ses parcours, il sort dans le pays là, et il va, il trouve du bonheur là. C'est là, on dit Togolais. C'est comme ça, quand il sort là, il trouve malheur là. C'est là, on dit aussi Togolais. Je vais vous donner encore un exemple. Aux États-Unis là-bas. Mais maintenant là, quand tu vas aux États-Unis là-bas, là, tu prends passeport nigérien là. Les Américains se méfient de la personne. Ils vont faire enquête sur toi bien, bien, bien. Ils se méfient bien de la personne. Alors que ce n'est pas cette personne-là qui a fait des trucs de mauvais dans le pays. C'est parce que quoi? L'étiquette du Nigérien là est sur eux. Voilà. Maintenant, si on dit les Nigériens font des trafics, les Nigériens font des trafics, est-ce que c'est eux tous? C'est quelques-uns qui ont fait et le ticket est sur eux. C'est comme ça. Donc, si un de vos soeurs vient insulter quelqu'un, un de vos soeurs, deux ou bien trois, viennent insulter toute une nation là. Vous croyez que si nous, on veut répliquer là, on va venir dire à Koua, à Kofiwa, à Kissi, Orion. Non. Déjà, ils sont deux là. Ça devient laid. Est ça l'affaire en plus? Donc nous on va dire les Ivoiriens. J'espère que vous m'avez compris. Hein? J'espère que vous m'avez compris. C'était ça nos colères. Donc si vous voulez venir répliquer là, venez parler bien, on va se comprendre. Et puis ça passe.
Voilà, il n'y a pas de guerre entre nous. Sur les réseaux sociaux, on va se chamailler, chamailler. Ça s'arrête là-bas. Je vous ai bien dit dans le début de ma vidéo que Togolais là, ce que je peux jurer que ça, Togolais ne peut pas faire là. La violence. Togolais n'aime pas la violence. Là où il y a sang, là, Togolais voit sang là. Togolais fuit. Si dans la bouche là, si vous connaissez un Ivoirien qui comprend la langue Evela, demande-lui s'il peut faire palabre. Ils vont s'insulter en notre langue là. Demande-lui si Ivoirien peut. Ivoirien va te dire, hey, Togolais insulte. Hein. Il y a des injures dans notre langue là. Comment la personne va prononcer ça en français? C'est ça qui est son problème. C'est à cause de ça que vous voyez que non, vous êtes... Hey, ou bien... C'est à cause de ça que vous voyez que non, vous ne faites rien. Parce que les injures qui est dans ma bouche, que je connais dans ma langue là. Les portables, si les portables, les blancs font des portables maintenant, si tu parles, ça peut transmettre en français là. Si je mets un jus togolais là, si toi-même ça transmet ça en français, tu lis là, tu vas fuir. Tu vas fuir. Transmettre ça en français là, c'est ça qui est le problème des Togolais. Sinon, pour insulter là, Togolais est fort. Togolais est fort. C'est la violence Togolais n'aime pas. Là où il y a sang là, Togolais court. S'il voit sang, Togolais ne sauve pas quand il voit sang là. Tu vas à l'hôpital même, on prend seringue pour piquer Togolais. Tu vas un grand, tu vas attendre les cris. Ouais. Togolais n'aime pas. Ça là, c'est ça là, je peux dire, eh, Ivoiriens vont nous battre jusqu'à... Parce que là où il y a boxe ou bien quoi, et là je vais dire, eh, Ivoirien va taper Togolais jusqu'à Togolais va demander pardon. Togolais n'aime pas la violence. Ça, je vous assure et je vous le confirme. Ça, vous êtes fort. Vous pouvez me battre. Mais palabre là. Si palabre là, insulte là, on peut parler dans notre langue. Ça va transmettre ça en français pour vous là. Vous-même, vous allez comprendre que non, Togolais a la bouche. Togolais aussi insulte. Alors, je vois sur les réseaux sociaux, vous venez. Est-ce que Togolais aussi peut faire palabre? Est-ce que Togolais aussi. Mais palabre là, c'est quoi? C'est pas la bouche là. C'est pas la bouche là. Inspiration là. Tout le monde va. Les paroles vont sortir. Madame, je t'ai écrit ça. Appelle-moi, WhatsApp. Je vais décrocher. On va parler ici. Parce que depuis hier, je vous ai dit mon Facebook a un problème d'appel. On a bloqué là-haut. On m'appelle là. J'appelle. Madame, je t'ai envoyé le email. Appelle WhatsApp. Appelle sur ce numéro-là. Aujourd'hui, là, tous ceux qui veulent appeler, tous ceux qui ont des mots à dire aux Ivoiriens, là, appelez sur plus 228 hein, 90 02 02 52. Voilà, appelez.
Oui. Oh, j'ai compris. J'ai compris. C'est la famille. Je voulais m'éclaircir sur certains trucs pour mes amis là, c'est tout. Non, oh, Miss Patichou. Non, ce que tu ne me comprends pas, c'est pas que je dis on va me dessiner le. Non. Ce que je dis, bon, peut-être tu ne m'as pas compris. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tout ce que je dis ou bien d'être d'accord de tout ce que je dis. Ouais, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Sinon, moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant et tout. Hein, non. On est venu sur les réseaux sociaux pour nous s'amuser, c'est tout. Sinon, tout le monde a ses trucs à faire. Voilà. Donc, si j'ai dit quelque chose, que j'ai blessé quelqu'un, que la personne m'excuse, vous comprenez un peu. Ok. Allô? Allô, Raoul? Yeah. Comment ça va? Ça va, mon frère. L'émission, c'est en français? Oui, c'est en français. Okay, d'abord, je salue. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que moi, tout d'abord, je suis rentré dans le direct, j'ai commencé à faire des têtes rouges. Ouais. Les gens qui envoient des têtes rouges, des têtes rouges. Et donc, du coup, moi, j'envoie des cœurs. J'envoie des cœurs pour toutes ces têtes rouges. Ouais. Et après. Ouais. Voilà. Voilà. Bluetooth mode. AUX mode. Madame Dola Louise. Voilà. J'ai vu des commentaires aussi. J'ai vu des commentaires. J'ai été vraiment, vraiment déçu de. Je ne suis pas la seule personne à être déçue comme ça. Mais, allez, aujourd'hui, Raoul Leblanc. Ah, la connexion Togo là. Tu me reçois? Oui, je te reçois, mon frère. Ouais, aller jusqu'à boycotter ces produits, non, il ne faut pas aller jusque-là, s'il te plaît, Raoul Leblanc. C'est notre soeur, elle a mal fait, peu importe ce qu'elle a dit, peu importe ce qu'elle a fait, on va juste essayer de la raisonner, mais pas boycotter ces produits, pas boycotter ces artistes, pas boycotter celles bon, parce qu'elle nourrit sa famille grâce à ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle nourrit sa famille grâce à ça. Demain, toi aussi, Raoul Leblanc. Tu peux faire quelque chose que tous les Togolais ne vont pas aimer. Mais cela ne va pas aller jusqu'à ça. J'aurais l'intelligence de demander pardon vite fait aux Togolais. Oui, Raoul Leblanc, il n'est pas tard. Il n'est pas encore tard. Tu sais, quelqu'un qui a offensé un peuple ou quelqu'un qui a offensé ses soeurs, tout d'abord, toute personne a son ego. Moi, là où je suis là, j'ai mon ego. Je ne vais pas tout de suite enfoncer quelqu'un et puis je sais que je l'ai enfoncé
et le lendemain, tu souffres, je vais aller demander pardon. Il y a des gens qui le font. Moi, je peux le faire tout de suite. Mais on n'est pas, on n'a pas les, comment dire, la même sagesse. Voilà. Peut-être que dans une semaine, dans un mois, Marie Larose reviendra sur Facebook dire pardon, pardonnez-moi de tout ce que je vous ai dit. Pardonnez-moi, je sais que j'ai mal fait ceci, j'ai mal parlé. Pardonnez-moi. Mais tout de suite, elle a son ego. Ou peut-être elle n'a pas encore compris que. La connexion. Ah, c'est ça qui n'est pas bien. Ok. Tu vois, c'est ça qui n'est pas bien. Au lieu de faire la promo de Lolo Beauté, bah, je ne sais pas comment te le dire vraiment, mais s'il te plaît, quoi. Faut pas boycotter le produit de Marie Larose. Non, moi je ne boycotte pas. Je fais la promo de mon idole, c'est tout. Non, je sais. Tu fais la promo en même temps. Ça montre aux yeux de tout le monde que tu es en train de boycotter Marie Larose. Tu vois? Moi, le crash que tu es en train de faire, il y a beaucoup aussi qui ne connaissaient pas Marie Larose. Mais par toi, ils ont connu Marie Larose. Tu vois ce que je veux dire? Dans les clashs que vous êtes en train de faire tous les jours, les clashs là, ça permet aussi à surtout ceux qui vendent des articles sur Facebook. Hey, Adam, est-ce que tu me reçois? Oui. Si on fait des clashs, on n'a qu'à faire des clashs positivement. Tu comprends un peu? Je vais. Oui. Si ma soeur, elle voit à l'heure là que c'est Raoul qui est sur les étoiles maintenant. Qu'est-ce qui l'empêche de venir me voir que non, Raoul Tantan, au lieu d'aller voir que moi et un Ivoirien et moi, on se fait des palabres et aller dire à l'Ivoirienne que non, il ne faut pas qu'elle rentre dans mes jeux, tant, je ne suis pas connu. Moi, au Togo, ici, sur les réseaux sociaux, quelqu'un va dire qu'il ne me connaît pas. Me dénigrer là-bas, tant, maintenant, à redonner son affiche pour que la dame partage. Depuis hier, la dame a partagé le truc. La dame a eu 7 j'aime. Alors que moi, je ne peux pas partager un truc d'elle pour avoir ses j'aime. Raoul. Voilà. Donc, elle est partie. Raoul. C'est comme elle est partie. Raoul. Ouais, voilà. Raoul, écoute, je vais te dire quelque chose. Ouais. Tu sais, avoir 50 ans ou avoir 60 ans ne veut pas dire qu'on est mature et ne veut pas dire aussi qu'on est sage. Tu comprends? Oui. Tu peux avoir 50 ans, mais un enfant de 10 ans ou de 12 ans peut te raisonner. Voilà. Tu vois, donc, si Marie Larose est partie demander à l'Ivoirienne de faire sa publicité ou quoi que ce soit, ou dénigrer les Togolais chez l'Ivoirienne là, on t'en fout de ça. On t'en fout. Toi, tu continues tes clashs. On t'en fout. Tu continues tes clashs. On te supporte dans tes clashs. On te supporte. Moi, je te supporte si tu clashes Marie Larose. Parce que qu'elle a dit de Togolais, que les Togolais ne peuvent même pas franchir la frontière Côte d'Ivoire, Ghana-Côte d'Ivoire. Ouais. Or, il y a plein de Togolais qui sont ici en Occident. Il y a plein de Togolais qui sont au Nigeria. Moi, je ne vois même pas la frontière de Côte d'Ivoire et Ghana vraiment dangereuse. Je me demande si elle a déjà franchi la frontière Benin-Nigeria. Je me demande ça. Donc, tu continues de clasher Marie Larose. On est d'accord. Mais, faut pas boycotter ces articles. Faut pas boycotter ces articles. Non. Moi, j'ai vu que tu as posté une photo de Marie Larose, sur ta page. Ouais, ouais. Là, tu fais ta promo. Ouais, c'est un clash, mais en même temps, tu fais ta promotion sans le savoir. Donc, dans ce sens, moi, je trouve que il y a le négatif et le positif en même temps. Là, ça va. Mais, venir boycotter en direct devant tout le monde, c'est pas bien. Ok. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci, on a compris. Ouais. Voilà. Voilà, j'entends. C'est comme ça. Si quelqu'un veut intervenir,
que la personne appelle sur WhatsApp plus 228 90 02 02 52. Voilà. On va le faire. Et on le fera. Le clash, c'est le clash. Tout est permis. Tu as le droit de tout boycotter. Si... Et si seulement la personne qui se retrouve dans son chemin. Le numéro, c'est plus 228 hein? 90 02 02 52. Je vais écrire ça en bas pour vous. C'est comment? Ça va, mon frère. Ok. C'est juste pour te soutenir et par rapport à ce que tu fais. Ouais. Moi, je suis au Togo. Je suis souvent les actualités. Voilà. Et je ne suis pas content de ce qui se passe sur la toile. Voilà. Et les Ivoiriennes, ces prostituées, elles pensent que qu'elles sont seulement à eux seuls le monopole des injures. Voilà. Et pour ça, nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Moi, j'aimerais dire quelque chose à Edem. Voilà. Ce qu'il vient de dire, j'ai compris ce qu'il a dit. Mais il faut qu'il sache également que la dame là, elle est rentrée dans ton jeu. Voilà. Et c'est normal que tu aussi, tu fasses ce que tu peux faire pour qu'elle retienne la leçon. Voilà. Donc, pour les promos des articles de Lolo Beauté, j'aurais souhaité que tu achètes toi-même et que tu fasses la promotion dans ta boutique. Comme ça, les gens vont venir acheter chez toi. Voilà. Ok. Donc, pour les injures, il faut qu'elles sachent qu'elles n'ont pas le monopole des injures. Voilà. Et nous aussi, nous savons comment insulter les gens. Voilà. Mais c'est parce qu'on se respecte qu'on n'aime pas rentrer dans ces jeux-là. Mais si elles veulent à bout, voilà, nous aussi, on va rentrer sur les réseaux sociaux et les insulter correctement. Voilà. Ok. Voilà. Donc, faut pas t'attarder sur cette Togolaise-là qui se comporte comme une dancille. C'est pas la manière dont elle bouge, elle fait truc, c'est tout. Faut la regarder même. Ok. Faut pas la regarder même. Et si une Ivoirienne t'attaque, faut publier ça, on va la clasher aussi. Ok. Ok, bonne journée à toi et soutien total. Ok, merci beaucoup.
C'est le buzz, c'est le boss qui marche. Pour les, c'est Chris, hein, c'est Chris. C'est, ah. Ton, c'est ton ennemi là. Ah, c'est Chris Choco. Chris Choco, c'est comment? Ok, on est ensemble. Ok. ça va. Okay. Mm. Ah, ici c'est le 228. C'est le 228. Ils peuvent tout dire. On a déjà l'étiquette là sur nous. Jusqu'à notre mort. Voilà. L'étiquette là. Ils peuvent jamais partir. Voilà. On a ça. Donc, si quelqu'un veut encore participer, que la personne appelle, j'ai déjà donné le numéro. Ah, le numéro, j'ai donné ça là. Ah, à chaque fois. Lisez les commentaires que je fais là. J'ai donné le numéro quoi. Allô? Allô? Salut! Ça va? Ça va. C'est une de tes sœurs togolaises. Je sais que tu me connais, mais bon. C'est vrai, je vous connais? Mais bien sûr, Raoul Leblanc, quand même. Ouais, je vois. Bon, le numéro, c'est plus 41. C'est Djamanissa. C'est en Suisse. En Suisse. Ah, non, okay. Non, en Suisse. En Suisse, ok. Depuis là, je n'ai pas encore reçu l'agent suissesse. Toi, tu parles de l'agent maintenant. J'attends l'agent suissesse. Ah, oh, mais t'inquiète pas, ça va venir. Ok. Ok. Bon, ouais. Tu sais, je te suis en direct et puis je voulais te parler un peu concernant le clash entre Togo et Ivoirienne. Voilà. Moi, je t'encourage parce que déjà, c'est pas facile. Merci beaucoup, ma soeur. Tu vois, et puis, tu vois, ça fait mal que tu vas sur Facebook et puis tu vois les Ivoiriens qui insultent les Togolaises et puis tu peux pas même leur répondre parce que c'est injuste, tu vois. Voilà. Je vois pas notre soeur Maria Mobu. Quelqu'un l'a fait de mal et puis ils l'ont attaqué n'importe comment et puis tout, tu voilà. Vois. Et puis moi, ce que je comprends pas dans les trucs là, ce matin, je vois qu'il y a un enfant béni là qui est dans ton truc là, il dit qu'on ne sait pas parler le français et puis tout. Écoute mon gars, le français c'est pas notre langue, tu comprends? Le ouais. Français, c'est pas notre langue. Nous, on parle le vé, gé, gé, gé. Voilà. Et que ouais. Le roi, pas, pas, a, pas, 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 donc, il n'y a que bien le blanc, le noir, mais il y a déjà, même toi, tu revois ma pantoumée, parce que ça commence à m'énerver, parce que Togolais, oh, les Togolais, ils n'ont rien fait de mal, tu vois. Voilà. On est tous des soeurs, on est tous des Africains, on est français de se tenir. Donc, les trucs qu'ils font là, c'est pas bien, mais on se soutient sans merci courage beaucoup. À toi. On dise, merci tu t'en beaucoup. Fous et tu avances. Tu merci, comprends? Merci même beaucoup. Si le Togo, il est tout ridicule, là, il y a Awa quelque chose qui a commenté l'autre fois du Facebook, j'étais toute verte. J'ai ouais. Dit, mais comment vous nous insultez comme ça? Pourtant, on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On n'a rien fait. On est tous des frères et des sœurs. Tu vois? Et puis ce matin, j'avais congé et puis je vous fais beaucoup te voir.
il y a notre soeur là, Marie, comme ça, voilà. Ça fait trop mal, quoi. Voilà. Ça tout, tu vois, même si l'histoire ne me concerne pas, ça fait mal. On ne peut pas parler de son propre pays comme ça, tu vois. C'est pas bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce qui concerne ces produits, laisse-la, tu okay. vois. Okay. Ça ne vaut pas la peine. Ok. C'est bon, mais alors, laisse-la. Il ne faut pas boycotter son produit. C'est Dieu qui juge, tu vois. Donc, moi, je te dis courage à toi. On est tous derrière toi. Merci c'est beaucoup. Togo, Togo. Ouais. Togo, Côte d'Ivoire, ouais. on est tous des frères et des sœurs. Ouais, voilà. Moi, mes frères sont ivoiriennes, mais on est toujours là. On mange ensemble. Voilà. Donc, on est tous des Africains. Courage à toi, Raoul. Moi, merci je beaucoup. Suis toujours derrière toi. Courage, courage, merci courage. Beaucoup. Merci Ça beaucoup. Va aller. Okay. Merci beaucoup. D'accord. Ouais, merci. Bon, je te fais un gros bisou et à la prochaine. L'agent de Suisse, là, je te promets que fin décembre, tu attends parler de moi. Enregistre mon nom et puis tout. Okay. Tu me connais très bien, Raoul Lebrun. Ok. Tu comprends ça, là? Je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Amo waga jibim le diamka. OK. Courage. Merci beaucoup ma sœur. Bye bye. Bye. I love my country. I love my country. Fique miso, fique miso. I love my country. I love my country. Fique miso. Yeni togo, kogo miyo. Yeah! Togo miyo. Togo vio mini. J'adore trop mon pays. J'adore trop mon pays. Mon pays, mon pays. Mon pays, mon pays. Voilà, allô? 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 Allô, je vous reçois. Je vous reçois très, très, très bien. Raoul Leblanc, comment ça va? Oh, ça va, mon frère. Ok, moi aussi, j'aimerais... Ok, il n'y a pas de soucis. Des Ivoiriens, tu vois. Au fait, moi, je vais dire que les Ivoiriens, ils sont totalement contents. Voilà. C'est pas pour les insulter, mais... Voilà. Parce que... Au jour d'aujourd'hui, dans leur justice, à cause de ce seul prix, ils ont plus de 20 millions de vues. Ouais. Ce qu'ils n'ont jamais eu dans leur justice. Voilà. Ce qu'ils n'ont jamais eu dans leur showbiz. Est-ce que tu me comprends? Ouais, je vous comprends. Donc, pour encore leur dire et leur appuyer, plus jamais. Comme on dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est-à-dire, ils n'auront plus jamais un clip pareil qui va atteindre ce stade de vue dans leur showbiz. Voilà. Même leur plus grand confirmateur qu'ils appellent le Didier Arafat, quoi, je ne sais pas, il n'a jamais eu cette chance d'avoir des vues comme ça. Et comme on dit, le numéro 1, comme eux-mêmes ils le disent. Donc, pour récapituler les trucs, c'est pour leur dire que c'est à cause de notre sœur que eux, ils ont eu cette grande vue sur YouTube. Et je ne vois pas ce qu'elle a fait de mal pour aller faire des dons. Pour... Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde la traite n'importe quoi, de quoi, quoi. Si c'est pas de jalousie, ils le font, c'est pas de la sorte. C'est pas de la sorte. Si leur frère, leur confrère a trouvé Maria Mobi, qu'elle est belle,
et du coup derrière la fille. Voyez les deux, c'est parce que la fille trouve quelque chose de bon ou bien quoi avec lui. Non, moi, je sais que tous les Togolais ont des bons cœurs. Certes, tous les Togolais ont des bons cœurs. Tu vois? Oui, je vois. Est-ce que tu m'entends? Oh, je te reçois très bien. Tous les Togolais ont des bons cœurs. C'est ce qui fait que cette fille, malgré tout ce que les gens disent, elle entend, elle voit, elle lit des commentaires, mais elle ne parle pas. Si c'était une Ivoirienne qui est à sa place, je te jure que cette Ivoirienne va quitter son amant ou bien son conjoint. Elle va le quitter. Mais de grâce, nous n'irons. Leur ingratitude, il faut qu'ils cessent de faire ce genre de choses. Nous sommes tous des Africains. Ouais. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir. Un menuisier, ce qu'un menuisier a comme métier, c'est de faire des meubles et tout. Un mécanicien, ce qu'il a comme métier, c'est de faire la réparation des engins. Voilà. Mariam, son boulot, c'est ce qu'elle a fait dans le clip et c'est ce qu'elle fait. C'est de ça qu'elle vit, c'est de ça qu'elle gagne sa vie. Voilà. Personne ne peut lui ôter ce qu'elle a fait comme métier, ce qu'elle a comme, comment on dit, comme travail. Personne ne peut lui arracher ça. Pourquoi voilà. Les Ivoiriens le traitent de n'importe quoi? Il y avait tant de belles filles en Côte d'Ivoire. Et une fille ivoirienne pour faire son clip. Soit disant qu'on appelle aujourd'hui la fille que même Arafat lui-même, il avait dit, elle a des caoutchoucs dans ses fesses et tout là. Comment on l'appelle? Ça m'embrouille. Je ne les connais même pas. Ça, c'est des femmes, ça? C'est des femmes, ça? Edossi Yao. Même si on dit refaire, faire la mise à jour. Oui, disons, si on dit de faire la mise à jour du corps, regardez la mise à jour de Josiao et regardez la mise à jour de Mariam Mobi. C'est incomparable. C'est incomparable. D'abord, moi, je connais bien les Ivoiriens. Ils n'ont que la grande gueule. Wow. C'est la bouche seulement. Ils ne font que la bouche. Juste à part la bouche, ils ne savent rien. Aujourd'hui, s'ils crient, Ivoirien fait ça, Ivoirien fait ça, ils n'ont qu'à venir avec aux autres près chez nous ici voir. Combien d'Ivoiriens, nous, on est belges, combien d'Ivoiriens, nous, on est depuis que la guerre même a commencé, jusqu'à la guerre a fini, ils sont toujours là, ici, ils ne veulent pas partir. Hein? Eux même, ils ont compris. Disons que nous sommes des Africains et il faut que nous, on arrête tous ces blablabla là. Nous ne sommes pas aujourd'hui pour parler de nos Africains. Regardons un peu vers l'avant. Le monde évolue. L'Afrique est toujours en arrière. Il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on aille de l'avant. Même si on veut du buzz, il faut qu'on fait des trucs, c'est-à-dire des petits trucs voilà. Intéressés pour que chacun avance un peu. C'est ça le meilleur. C'est pas pour se tirailler entre nous, c'est pas pour se dénigrer entre nous qui va nous apporter de bonnes choses. Non. Soyons un peu intelligents. Ouvrons un peu nos yeux pour mieux voir de l'avant. Le tout dernier, la Chine, qui est en train de concurrencer tout le monde aujourd'hui. C'est des Chinois. Il faut que nous, la jeunesse africaine, on a quelque chose, un objectif précis pour avancer, pour mieux faire. Tout ça, ça ne nous amène nulle part. Moi, j'en ai fini là. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci pour ta participation. Merci beaucoup. Voilà. Donc, j'espère qu'ils ont compris et tout. C'est la faute à nos soeurs. Là. Voilà. Donc, il faudrait qu'on leur dise la vérité un peu et tout. Donc, c'était votre serviteur, Raoul Leblanc, le plus influent du Togo actuel, qui
Hello. Oui, allô. Allô. Raoul. Yeah. Oui, allô, Raoul. Ah. Ouais. Bonjour. Bonjour, là. Voilà. Comment vous appelez dans quel pays? Monsieur Gabon. Où est? Au Gabon. Gabon, ok. Voilà. Non, je suis très direct. Ok. Concernant Marie Mobile et ses chaussures. Voilà. Merci beaucoup mon frère Edem Gadagbi. Merci. Donc, mes amis, le direct d'aujourd'hui, voilà. On se dit à tout à l'heure. Je vous aime, je vous adore. Je sais que vous aussi, vous m'aimez. Donc, merci beaucoup. Partagez la directe. Ne gardez pas pour vous. Partagez. Voilà. Ciao, ciao la famille. On est ensemble. C'est toujours votre serviteur Raoul Blanc.